Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour Chez Vous. Aujourd'hui, nous vous exhortons à changer votre regard sur les choses que vous vivez et nous allons voir que tout est une affaire de perspective et que les choses parfois sont bien différentes de ce qu'on peut croire. Et on en parle avec Nadine et Annabelle. Hello les filles. Hello, hello. Evelyne. Vous allez bien? Très très bien. Formidable. Annabelle, tu vas faire une rubrique conseil du coach aujourd'hui sur les saisons. Tu te sens plutôt d'humeur printanière, hivernale, automnale. Dans toute sa splendeur. L'automne dans toute sa splendeur. Un bel automne canadien, colombien. Voilà, exactement. On va voir comment on peut apprendre à bien vivre chaque saison parce que chaque saison a son lot de défis, mais on va voir que chaque saison a aussi sa beauté. Et donc, on en parle tout de suite dans le conseil du coach. Pas tout de suite. Tout à l'heure. Elle a voulu s'approprier ton temps, Nadine. T'as vu comment elle a fait? Écoute, je t'ai prévenue, Nadine. On commence avec Nadine, on respecte l'ordre. Moi, je suis suisse, vous savez, il faut respecter l'ordre. Attention, donc Nadine, on commence avec toi. Change ta façon de voir les choses. Allez, on commence avec la pensée du jour. J'aimerais te dire quelque chose d'intéressant ce matin, c'est que la vie est une question de perspective. Ta vie est une question de perspective. Et peut-être certains d'entre vous, vous dites non, en fait ma vie, moi je la subis, elle est bien quand ça va bien, elle est mal quand ça va mal, mais en fait non. Dans n'importe quelle saison que nous vivons, nous pouvons vraiment aborder les choses d'une façon différente en fait, avec repos, avec joie, apprécier chaque saison de la vie si nous avons la bonne perspective. Donc vraiment, je t'invite ce matin à changer ta façon de voir les choses et à adopter tout simplement la perspective divine. Et pour cela, on va lire ensemble un passage dans Deux Rois, au chapitre 6, les versets 15 à 17. L'histoire commence en fait, c'est l'armée d'Israël, en fait, et le roi d'Israël reçoit la nouvelle que les Syriens veulent les attaquer. Alors, plusieurs fois déjà, les Syriens voulaient les attaquer. Ils sont venus, Élisée a averti à chaque fois le roi que le roi a pu ne pas être à l'endroit où est-ce que les Syriens allaient venir. Mais cette fois-là, les Syriens ont réussi à entourer la ville. Et la Bible dit, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville. Et il vit qu'une troupe la cernait avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Et il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Et puis Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Cette histoire m'a toujours touchée, vraiment à chaque fois, à chaque moment dans la vie où est-ce que je me sens un peu acculée par les circonstances, par les événements. Je fais cette prière qu'Élisée a faite pour son serviteur. « Seigneur, ouvre mes yeux afin que je vois selon ta perspective et non la mienne. Ouvre mes yeux afin que je vois les chars, l'armée céleste qui est autour de moi, l'armée céleste qui est à mon service. » Et vraiment, j'aimerais vraiment prier pour toi que tu changes ta façon de voir les choses, que ta perspective puisse changer. Et vraiment, Élisée et son serviteur sont tous les deux dans la même situation. Ils sont tous les deux au même endroit, mais ils ont deux perspectives complètement différentes. T'as Élisée qui a une perspective de foi et t'as son serviteur qui a une perspective de peur. La perspective du serviteur qui est la mauvaise perspective, elle va produire le stress. Il était stressé. Elle va produire les inquiétudes. Elle va produire la peur du lendemain. Elle va produire les hésitations, l'incertitude, les questionnements. Mais la bonne perspective, celle d'Élisée, elle produit un langage de foi. Élisée a un langage de foi. Elle produit un calme, elle produit la confiance en Dieu, elle produit l'assurance dans l'avenir, elle produit le repos que Dieu est là et il s'occupe de nous. Alors vraiment, je t'invite ce matin, au lieu de t'inquiéter, peu importe ce qui se passe dans ta vie en ce moment, peu importe la saison dans laquelle tu es, au lieu de t'inquiéter, choisis d'être comme Élisée aujourd'hui, choisis d'avoir la perspective divine, choisis d'être dans le calme, dans la confiance, dans l'assurance que Dieu est là, que Dieu prend soin de toi. Et si tu es comme le serviteur en ce moment, fais cette prière qu'Élisée a fait tout simplement. « Seigneur, ouvre mes yeux afin que je voie et que j'aborde la vie selon ta perspective. » Amen. Merci Nadine. On a tellement des fois tendance à déformer la réalité parce qu'on a une mauvaise disposition de cœur. Tout part du cœur. Cette perspective divine dont tu parles, elle parle d'une disposition de cœur. On est bien disposé à voir ce que Dieu place devant nous, ces anges avec des chars de feu. Il fallait les voir parce que si on ne les voit pas, c'est panique totale. C'était hyper stressant comme moment. Sérieux, j'aurais pas voulu être à la place du serviteur parce que c'est hyper stressant. Tu te dis, on est tous morts. Mais en fait, Dieu avait prévu quelque chose. Et souvent, en fait, dans des situations, on a cette attitude-là où on voit la situation telle qu'elle est, avec nos yeux naturels, puis c'est normal, cette situation, elle est telle qu'elle est réellement. Et on n'a pas le réflexe, justement, par cette disposition de cœur, de dire, bah, justement, Seigneur, ouvre mes yeux, montre-moi ce que tu veux faire au travers de cette situation. Dieu a parfois un plan, il a quelque chose qu'il a mis en place, et ce qui nous paraît être en fait une catastrophe est finalement un bout de son plan qui va nous amener dans quelque chose de beaucoup plus glorieux, et on a besoin de changer notre regard. Et j'aime beaucoup ce que Paul a dit aux Philippiens, c'est notre verset du jour, Philippiens 4, 12, Paul dit, c'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Paul avait choisi que peu importe ce qu'il vivait, et on sait que Paul a vécu tout un tas de situations plus ou moins faciles, il avait choisi que quoi qu'il en soit, il allait s'accommoder, c'est-à-dire qu'il allait être bien, il n'allait pas tomber dans la plainte, il n'allait pas gémir, il n'allait pas se lamenter, mais il allait être dans la joie, dans une paix, un repos parfait, sachant que Dieu allait de toute manière prendre soin de lui et, en l'occurrence, pourvoir à ses besoins. Et ça nous enseigne énormément. Je crois que vraiment, tout part de la façon dont on aborde les choses, tout part de notre perspective, vraiment. Et j'avais une citation de Richard Mbom que j'ai trouvée sur Internet qui dit « Votre mindset de départ déterminera comment vous allez gérer les challenges que vous rencontrez sur votre chemin entrepreneurial. » Il faisait une conférence sur ça. Mais en fait, il parle du mindset. Et ça, je pense, c'est important, la mentalité. Merci. Votre mentalité de départ va déterminer la façon dont vous allez voir les choses. Et Paul le dit par rapport à se contenter. Et je crois que surtout, vraiment, peu importe les situations dans lesquelles on vit, que ce soit dans une période d'épreuve ou même une période d'accalmie, c'est important de dire quelle est ma façon d'aborder les choses. Ma façon d'aborder les choses, ma mentalité va déterminer la façon dont j'ai réagi. Et il y a des personnes qui vont se plaindre alors qu'ils ont... Ils sont des choses que d'autres personnes diraient, mais moi j'aimerais bien avoir ça, tu vois, mais tu te plains parce que ouais, tu as trop de cours, les cours sont durs, mais il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas les papiers pour aller à l'école, qui n'a pas l'argent pour payer pour ses études, qui aimerait avoir, être capable d'aller à l'école. Donc tu te dis en fait que des fois on a toujours l'impression que la vie va commencer demain. Quand j'aurai tout ça, là maintenant j'aurai un langage joyeux, je serai dans le calme, dans la paix, mais la vie c'est tous les jours. Et c'est question de dire, Seigneur, donne-moi la perspective pour qu'aujourd'hui je puisse apprécier ma vie comme elle est. Oui, je suis en attente d'une percée, je suis en attente d'une réponse, mais aujourd'hui, alors que mes yeux se sont ouverts, alors que tu m'as donné la vie, je veux que cette journée soit aussi pour moi un sujet de joie et je veux l'apprécier. Et ça, c'est vraiment la perspective encore, c'est cette mentalité, c'est d'arriver à ce point, comme Paul le dit, de contentement, de s'accommoder, de « Ok, ben c'est bon, gloire à Dieu ». Ça va? Ok, gloire à Dieu. Tous les jours, je peux dire gloire à Dieu parce que je ne suis pas dans la plainte et ça, ça fait toute la différence dans la vie. Annabelle, tu as un puissant témoignage. Bah, déjà, j'aimerais dire que je ne sais pas comment toi tu vois les choses, Nadine, mais de mon point de vue, ta carte est à l'envers. Et de ton point de vue à toi, c'est à l'endroit. Oui. Comme quoi, c'est toute une question de perspective. J'ai eu envie de lui dire la même chose. Je me suis dit que je n'allais pas l'exposer. Merci. Merci, ma soeur. Non, mais c'est pour dire que... Oui, bah, par exemple, Evelyne et toi et moi, on a des perspectives différentes à cause de notre taille. Et quelquefois, bon, malheureusement, je suis dans le mauvais rôle, mais on voit trop petit. Et on voit tous les obstacles, tous les problèmes, etc. Et parce qu'on voit tellement bas, et puis Dieu dit juste, bah, prends de la hauteur, vois comme moi je vois, regarde, c'est rien, c'est un petit saut, c'est un petit truc à enjamber pour les grandes personnes comme Evelyne. Et ce week-end, on était dans un endroit avec Jérémy, c'était super beau et tout, il y avait une super vue, surtout de son point de vue à lui, de son grand tronc élevé, et de mon point de vue à moi, il y avait juste un gros poteau qui me cachait toute la vue. Et moi, je lui dis, mais on voit pas très bien quand même, je pense qu'on devrait changer de place. Et puis, il me dit, bah non, c'est super et tout. Je lui dis, bah, je pense que si on allait un peu plus haut, on verrait mieux. Et là, en fait, il s'est mis à mon niveau, il dit, ah ouais, c'est nul. C'est ça que tu vois? Ouais, c'est ça que je vois. Donc, ensemble, on a pris de la hauteur, on est allé au niveau supérieur. Et au niveau supérieur, je lui ai dit, mais c'est super, la vue est dégagée, c'est super beau, je vois tout. Et quelquefois, bah, notre vie ressemble à ça. Ouais. On a juste la vue obstruée parce qu'on n'est pas au bon endroit, on n'est pas bien positionné et on a besoin de prendre de la hauteur et on se rend compte, mais En fait, c'est dégagé. Il n'y avait pas de problème. Il n'y en a pas de problème. Tout est là. Merci Seigneur. Et c'est important de, d'accepter, de dire au Seigneur, positionne-moi, montre-moi où je dois être et comment je dois voir les choses, parce qu'on peut passer notre vie avec un gros bout de bois devant nos yeux et on voit comme un obstacle. Vraiment. Je crois que des fois, on vit des situations tellement difficiles qu'on est comme un champ de vision complètement réduit, en fait, qui nous limite à ce qu'on voit, et on peut même plus voir l'opportunité de l'intervention divine. On est réduit juste à cette situation qu'on voit, qui est difficile, bien sûr, mais il faut prendre de la hauteur, prendre du recul, voir plus large, puis des fois juste laisser la situation de côté, aller passer du temps dans la présence de Dieu, juste se laisser remplir, juste passer un temps d'adoration, juste même garder la bouche fermée s'il faut, si on ne peut pas s'empêcher de dire « Seigneur, fais quelque chose, tu vois ma situation », juste se détendre, prendre le temps d'être dans sa présence, se laisser remplir de justement cette perspective divine, laisser la foi prendre place en nous, grandir, jaillir, laisser des paroles de la Bible monter en nous, monter dans notre cœur, et même les confesser s'il faut, pour que justement on prenne cette hauteur dont on parle, parce qu'on ne parle pas d'une hauteur physique bien entendu, on parle vraiment d'une hauteur spirituelle où on se remplit en fait de cette perspective divine, de ce que Dieu veut faire, peut faire, et là en fait finalement on reprend la situation, puis oh ok, c'est juste ça, bon finalement Dieu va intervenir, je suis dans la paix, je suis dans la joie, et hop, on s'apaise et puis on peut recommencer. Mais tu vois, c'est super important ce que tu dis, en fait ça montre qu'il faut prendre ce temps avec Dieu. En fait, des fois notre perspective dépend aussi de nos expériences passées. Moi je me dis, Élisée, et tu as son serviteur qui a peur, etc. Mais Élisée, si on regarde juste les versets précédents, on voit que Élisée, c'était un homme puissant. À plusieurs reprises, Élisée était capable de dire « Seigneur, ferme leurs yeux ». Et là, les gens, ils ne voient plus, ils s'en vont à Samarie, ils se perdent. Il peut dire « Voilà, la hache est tombée dans l'eau », il jette un bâton et puis la hache remonte. Il peut dire à Géasi, « Dis à ces gens-là, Naaman, d'aller dans le lac se laver cette fois », et puis Naaman est guéri. Il avait vécu des choses tellement extraordinaires avec Dieu dans sa vie que rendu là, il avait cette perspective-là, il savait que Dieu l'a fait auparavant. Seigneur, en fait, non, tu as toujours été là, il a pu faire cette prière pour son serviteur. Et je crois que de la même manière avec nous, si on se rend compte que, voilà, les saisons passent, peut-être j'ai 30 ans, j'ai 50 ans, peu importe, et je suis toujours dans cette... j'ai toujours des craintes, j'ai toujours des peurs et tout ça, je suis toujours dans cette mauvaise perspective et tout, de dire, Seigneur, ouvre mes yeux. Voilà, maintenant, Seigneur, montre-moi dans le passé où tu es intervenu. Et peut-être c'est question pour certaines personnes de prendre un cahier, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment toujours dans la plaine, jamais capable de voir que Dieu a déjà fait dans le passé. Seigneur, ok, ah c'est vrai, à tel moment tu m'avais guéri, ah à tel moment tu m'avais gardé d'un accident, à tel moment tu avais répondu à un besoin financier. Tu l'as fait, tu l'as fait, tu l'as fait. Maintenant, je commande à mon âme de te louer, je commande à mes pensées de t'exalter, et je commande à ma bouche de confesser que Dieu est là, que les anges sont autour de moi, et que vraiment cette situation, cette période, peu importe, elle va passer. En entendant dans cette période, je ne veux pas me faire voler ma joie, je ne veux pas me faire voler la louange que j'aurais dû donner à mon Dieu, je vais le louer et je vais l'adorer, et puis voilà. Amen. Et dans les relations, souvent on dit, il faut se mettre à la place de l'autre, parce que peut-être que notre point de vue est incomplet, et qu'en toute humilité, on peut aussi avoir tort, et dans notre vie en général, se mettre à la place de l'autre, c'est se mettre à la place de Dieu, et se dire, il a la vue complète, et je dois m'efforcer dans ma vie de me mettre à la place de Dieu pour avoir une perspective qui va être juste. Amen, amen. Et on va parler maintenant des saisons de notre vie, parce qu'il y a plein de saisons qui arrivent dans notre vie. C'est pas toujours un long fleuve tranquille, et on va en parler avec toi, Annabelle, dans la rubrique Conseil du coach. La vie est faite de saisons, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Alors c'est toujours mieux d'apprendre à bien vivre chaque saison, bien vivre chaque transition. Et on va voir que chaque saison a son but, a son enseignement et aussi a sa beauté. Quelquefois elle est très petite la beauté, mais elle a sa beauté. Et comme je disais, notre vie est faite de saisons parce que Dieu est un Dieu de saisons. Dieu a toujours travaillé avec les saisons. Et depuis qu'on habite ici au Québec, depuis une dizaine d'années, j'ai découvert les 4 saisons. Je savais qu'elles existaient, mais depuis que je vis ici, je les ai vécues pleinement. On voit le changement dans la nature, on voit le changement dans le rythme de vie, dans la façon de s'habiller, parce qu'on est obligé de comprendre que l'hiver est une vraie saison, que je ne peux pas vivre l'hiver comme si j'étais en été, même si je veux tout faire pour l'éviter, c'est pas possible. Ce serait au péril de ma propre vie. Donc je suis obligée d'accueillir d'accueillir l'hiver, de vivre l'hiver, de supporter l'hiver, mais on va voir qu'on n'est pas obligé de supporter justement qu'on n'est pas obligé de supporter les saisons, même celles qui nous semblent les plus glaciales, les plus désagréables. Et il faut savoir aussi que c'est Dieu qui est le maître des saisons. En tout cas, ça devrait être Dieu qui devrait être le maître de vos saisons, celui qui ouvre une saison et celui qui ferme une saison. Et c'est vrai que le diable a aussi son propre calendrier, mais en tant qu'enfant de Dieu, vous n'êtes pas obligé de suivre ce calendrier. Et dans cette saison un peu particulière, vous vous dites, bah, c'est pas la saison de Dieu, mais dans cette saison, Dieu transforme le mal en bien. Et comme Joseph l'a dit à ses frères, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Alors même s'il y a des saisons qui n'ont pas l'air favorables, des saisons où se dit non, ça c'est juste une saison d'adversité, au sein de l'adversité, Dieu va transformer le mal en bien et ça va être important de pouvoir le garder en tête pour justement ne pas subir cette saison et se dire bah moi je suis dans ma saison de défaite, je suis dans ma saison de maladie. Non, nous sommes toujours dans une saison de victoire parce que nous vivons dans une alliance et cette alliance est disponible peu importe la saison dans laquelle nous sommes. Et j'aimerais qu'on prenne ensemble le parcours de David, parce que je trouve que la vie de David nous montre les différentes saisons qu'on peut avoir dans une vie, et des belles saisons, des saisons waouh, on se dit oh, c'est la saison de l'opportunité, c'est ma saison, c'est la saison du succès, et la saison où on comprend plus rien, la saison où on se dit est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que Dieu m'a oublié? Et en fait, chaque saison a, comme je l'ai dit, quelque chose à nous apporter. On a quelque chose à vivre dans chaque saison. Et le meilleur, je pense, conseil que je pourrais vous donner pour apprendre à bien vivre chaque saison, c'est de pouvoir embrasser pleinement les saisons. La saison dans laquelle tu es, vis cette saison. Ne la redoute pas, n'essaye pas de l'éviter, n'essaye pas de la fuir, ne commence pas à avoir hâte juste à la prochaine saison, parce qu'en fait, c'est le meilleur moyen d'être frustré, c'est le meilleur moyen de s'impatienter ou de vouloir revenir en arrière, de se dire la saison précédente était tellement mieux, cette saison-là, elle est juste nulle, et ça va faire juste naître un tas de frustrations dans ton cœur. Et il y a des saisons qui sont plus ou moins courtes, mais il y a des saisons qui sont, c'est vrai, plus ou moins longues. Mais encore une fois, si tu saisis ce que Dieu veut faire dans cette saison, si tu embrasses cette saison, tu vas pouvoir la vivre pleinement, mais aussi avec toute la provision que Dieu a pour toi. Et comme je vous le disais ici, nous avons les 4 saisons. Et lorsque c'est l'été, à un moment donné dans l'été, t'es obligé de profiter pleinement de l'été. Tu peux pas te permettre de te dire ce sera bientôt l'hiver. Ah, regarde tout ce paysage que tu vois sera recouvert de neige dans quelques semaines pour les pessimistes, quelques mois pour les plus optimistes. Tu peux pas te permettre parce que l'été est court et que l'hiver, oui, va arriver. À un moment donné, il faut dans l'été que tu t'assoies, que tu manges ton barbecue et que tu sirotes ton cocktail en savourant chaque degré chaud sur ta peau, parce que oui, l'hiver va arriver, mais c'est le temps pour toi de savourer, c'est le temps pour toi d'apprécier. Et si tu es juste en train de penser à l'hiver qui va arriver, à quel point tu vas avoir froid, ceci ou cela, bah, même ta saison d'été qui aurait pu être une saison favorable, une saison de repos, une saison où tu profitais, bah, tu n'en auras pas profité, tu auras juste été frustré pendant cette belle saison que tu pouvais vivre parce que tu étais en train déjà d'anticiper l'horreur de la prochaine saison. Alors embrasse chacune des saisons pour ne pas passer à côté de ce qu'elle a à t'offrir. Donc dans le parcours de David, on va voir que en quelques chapitres de 1 Samuel 15, 16, 17, on voit un petit résumé de la vie de David. On voit que David reçoit l'onction de la part de Samuel pour devenir roi. Il était berger. Hop, il reçoit l'onction pour devenir roi. On se dit, aïe, la vie bascule. Peut-être que vous avez reçu une parole de prophétie. Ma vie a basculé. Le ministère, c'est pour moi. On est dimanche. Lundi, c'est bon, je démissionne. Et bon, on va voir, David, il n'a pas fait ça. David est retourné dans le champ. David est retourné dans le champ. Et après, David a été appelé pour aller jouer de la harpe pour le roi. C'était pas encore pleinement ce qu'il pensait être le plein accomplissement de sa vie. Ce que le prophète avait prophétisé, c'était pas ça. Il était joueur de harpe et aussi porteur d'armes, mais il s'approchait plus que jamais du trône. Il était quand même dans la présence du roi, il était dans le palais, il avait quitté le champ. On se dit, saison d'accélération, saison de faveur, c'est bon, j'y arrive. Et là, la guerre arrive. Les frères, les grands frères de David partent sur le champ de bataille et lui, David, ne va pas sur le champ de bataille. Ce n'est pas là qu'il va aller briller. Le petit joueur de harpe retourne à son champ avec son papa et donc il s'éloigne du palais, il s'éloigne de sa saison apparemment de faveur, il s'éloigne du trône, il s'éloigne de la promesse, il s'éloigne de la parole, il aurait pu se décourager. Là, son père l'envoie sur le champ de bataille, non pas pour combattre, mais pour aller donner à manger à ses frères. David devient serviteur, il amène, c'est un messager, c'est le livreur pendant le Covid qui vient t'amener ton repas parce que tu peux pas sortir de chez toi, il vient t'amener ton repas, c'est un livreur, un Uber Eats, et il arrive sur le champ de bataille. Finalement, Uber Eats, c'est lui qui dégomme Goliath. Donc là, wouh, la faveur revient sur David, on rentre dans une nouvelle saison, c'est super, c'est génial. Il se rapproche encore de la promesse. Et donc ça c'est bien, il devient chef de l'armée, il a la faveur, c'est super. Et bam, ça bascule. David, d'un seul coup, devient un fugitif, si près du but. Si près du but, il y avait une saison de succès qui était là, en train de commencer à se dessiner. David était dans le palais, David était proche du roi, David faisait des grandes batailles, avait des grandes victoires, et bam, ça lui échappe. Il devient fugitif, il fuit, il est obligé d'aller dans des grottes, il est obligé d'aller d'endroit en endroit, il est poursuivi. On se dit mais quelle est cette saison de désert? Et finalement, bon, on connaît la fin de l'histoire de David, c'est que David a quand même réussi, Dieu l'a fait, David est entré dans la promesse et il est devenu roi. Mais toutes ces étapes étaient finalement des saisons. Et comme je disais, chaque saison a son but. Et la saison dans laquelle David était, lorsqu'il était dans les champs, avait un but. Il était en train de se préparer, il l'a dit, il a tué un lion, il a tué un ours à main nue, il était en train de se préparer. La même façon, quand il était avec Saül, en train de se battre, il était aussi en train de se préparer, il était en train de préparer à la fois son cœur et à la fois ses mains au combat. Et chaque saison a aussi un enseignement. Il a un enseignement parce que Dieu est en train de nous émonder, Dieu est quelquefois en train de nous dépouiller. Et je voudrais juste vous montrer une photo pour vous dire comment on peut passer d'une saison à l'autre, comment David est passé de la saison de la faveur à la saison du dépouillement. Il y a une photo que j'ai prise devant chez moi à 2 jours d'intervalle en plein automne. Et on va voir comment, ce qui peut se passer en très peu de temps. En 3 jours, on est passé d'un arbre flamboyant, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien, c'était vraiment les couleurs à leur paroxysme, l'arbre est magnifique, la lumière sur tous les arbres, c'était flamboyant, c'était magnifique. 3 jours plus tard, le même arbre, la même vue, le même endroit, c'est terne, c'est austère, il est tout nu, l'arbre, il a perdu toutes ses feuilles parce qu'il y a eu du vent, il y a eu de la tempête. En 3 jours, ça a basculé. Là, c'est David, quand il était avec Saül et qu'il était en train de remporter plein de batailles, il c'est bon, je suis proche de ma promesse. Hop, quelques jours plus tard, Saül devient fugitif. Et il a basculé d'une saison à l'autre, mais chaque saison préparait la future saison. Il était obligé, enfin, il est passé par là, par ce temps de dépouillement, ce temps où il a été dans des grottes. C'est un temps où le cœur de David a tellement été travaillé. C'est un temps où le cœur de David s'est montré loyal plus que jamais, où il a démontré de l'honneur. Et c'est comme ça que Dieu a pu dire, mais j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Dieu a trouvé un homme selon son cœur dans cette saison de dépouillement, dans cette saison où ça avait l'air d'être un désert. Mais pendant tout ce temps-là, David n'était pas en train de pleurer dans une grotte. Oui, il a eu des moments difficiles. David a levé des hommes, David a levé une armée, a formé des hommes. David a continué de se former, David a continué de conquérir des territoires et David a appris à garder son cœur et à rester un homme intègre, un homme qui revenait toujours, toujours au cœur de Dieu. Dieu. Et chaque saison aussi a sa beauté. Et ça, vraiment, je veux vous encourager, comme on en a parlé dans l'émission, à changer votre perspective. Chaque saison a sa beauté. Quelquefois, c'est une beauté infime. Quelquefois, c'est quelque chose à peine perceptible. Et je pensais à des gens, vous passez par peut-être une période de deuil et vous vous dites, mais quelle beauté il y a dans cette période? Quelle beauté y a-t-il dans cette saison? Il y a la beauté peut-être de votre communauté qui est auprès de vous, la beauté de voir certaines personnes qui se sont levées pour vous, qui ont manifesté un amour comme jamais. Il y a la beauté aussi de ces beaux souvenirs que vous avez pu partager avec ces personnes. Demandez à Dieu, montre-moi la beauté de cette saison, parce que dans cette saison, il y a quelque chose de beau, parce que tu es dans cette saison. Et parce que tu es dans cette saison, il y a quelque chose à laquelle je vais pouvoir m'accrocher. Et je voudrais terminer en vous rappelant que Dieu est bon. Dieu est bon à travers chaque saison. Et si Dieu est l'auteur de votre saison et le maître des saisons, Dieu est bon et Dieu ne vous fera pas passer par des saisons juste pour le plaisir de vous faire souffrir, juste pour le plaisir de vous faire du mal. Ce n'est jamais le cœur de Dieu. Il y a des saisons qui sont douloureuses, mais elles sont douloureuses bien souvent parce que Dieu fait un travail d'émondage, un travail de purification, de sanctification, et c'est notre chair qui crie. Et aussi, n'oubliez pas que à travers toutes les saisons, vous restez, vous gardez, vous conservez votre identité. Votre saison ne définit pas votre identité. Et oui, même les saisons où nous sommes dans l'ombre, des saisons où peut-être on a été oublié, on a été humilié, notre identité demeure la même. Alors, embrassez la saison dans laquelle vous êtes. Demandez au Seigneur qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette saison, quel est l'enseignement, quel est le but, quelle est la beauté de cette saison, et vous allez voir que vous allez apprécier chacune des saisons de votre vie. Merci Annabelle, viens t'asseoir avec nous, merci beaucoup, waouh, génial. Franchement c'était super édifiant, bravo Annabelle. C'est un sujet qui n'est pas facile à aborder et tu l'as super bien traité, je trouve. Et avant de terminer cette émission, je vais vous lancer un petit défi à la maison. Si vous nous regardez le matin, c'est un défi pour cette journée. Si vous nous regardez le soir, c'est pour demain. Quoi qu'il en soit, le défi est de changer votre regard sur la journée que vous allez vivre. Dès le matin, vous allez prendre une décision. Aujourd'hui, je veux avoir ta perspective. Seigneur, montre-moi ce que toi tu vois pour cette journée. Et puis vous pouvez le faire pour le reste des journées, mais au moins une journée pour que vous puissiez voir la différence, apprécier la saison dans laquelle vous êtes, l'exploiter de la bonne façon pour que vous fassiez les bonnes choses et surtout avoir la perspective divine par rapport à tout ce que Dieu a placé devant vous, qui est merveilleux, qui est une bénédiction, mais que malheureusement parfois on ne voit pas. Merci mesdames pour cette belle émission. Demain, notre thème sera « Connais-tu l'impact de ton adoration ?» Nous allons voir que dans les temps difficiles, adorer le Seigneur peut amener vraiment de belles percées. On en parle demain et on aura une rubrique Pasteur, j'ai une question avec le pasteur Atoms Bouma. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.